Devant le président de la République, Évariste Ndayishimiye, et les deux chambres du Parlement réunies, Pierre Clavard Kadziyissé, président de la Commission électorale nationale indépendante, a présenté le rapport général des élections de 2020. Un reliquat de 29 milliards de francs burundais a été enregistré sur un budget de 97 milliards de francs pour les élections de 2020, a fait savoir Pierre Clavard Kadziyissé, président de la CENI. C'était ce jeudi 18 février à l'hémicycle de Kigobe. Uburyo leta yashikirije mu rwiseni bwarenga imiliyaridi 97. Pour ces élections de 2020, le budget octroyé par le gouvernement était à plus de 97 milliards de francs burundais. Un reliquat de plus de 29 milliards a été enregistré après toutes les dépenses. Et ce financement nous est parvenu à temps. Nous n'avons rien manqué. C'est une bonne marche et que le gouvernement continue sur cette allure. La CENI a indiqué que dès ce vendredi 19 février, elle entame la période préélectorale des élections de 2025 et 2027.